Voilà, ici, là, vous voyez, il y en a la partie login et password. Là, on va écrire directement Fanhal. Fanhal. Et là, on valide. On va mettre le mot de passe. C'est bien. Alors, on va patienter un petit peu. Voilà, c'est bien. Vous voyez l'adresse, etc. et tout ça. Alors là, ici, pour se connecter en tant que super utilisateur, vous tapez tout simplement sudo espace su ou bien sudo-26, sudo-26 i. Ça dépend de vous. Vous mettez directement le mot de passe. Voilà. Dès que je suis là, là, je peux faire directement la mise à jour. Avant, on tapait directement apt-get comme ça. Updates, mais celui-là n'est pas nécessaire sur les dernières versions. Vous pouvez le taper, ça peut fonctionner, mais vous pouvez taper directement apt-get update apt, vous tapez directement update au lieu de apt-get. Alors, mais on peut le taper, cela, ça va fonctionner à la merveille, il y aura pas de quoi à s'inquiéter, mais vous pouvez utiliser les outils, les d'autres outils, les raccourcis selon lesquels ils ont diminué certaines commandes pour qu'on puisse directement travailler rapidement. Alors là, le système va se mettre tout simplement à jour. Et nous, on va patienter et on va peut-être parler d'autres choses. Entre-temps, si vous regardez très bien comment ça se passe, et là on va tout simplement arrêter un petit peu, et comme ça on aura la chance directement de fouiller un petit peu et de regarder de haut à bas et tout le système. Et là-bas on pourrait directement voir quelques commandes en attendant de démarrer. Bien. Là, au moment que tout est terminé, là, on peut directement voir bel et bien que la mise à jour est faite. Alors, du coup, on va se débarrasser directement de Facebook. Et là, on revient ici. On va tout simplement coder. Si on a tapé LS, ça c'est pour lister. On sait directement là où on se trouve. Alors, pour cela. Pour se déplacer ici, il y en a forcément beaucoup de choses à revoir, mais pour le moment, on peut directement créer par exemple un dossier quelque part. Là, il y en a la partie directement etc/ par exemple. L'endroit selon lequel nous on a envie d'aller, etc., où, etc., et tout ça, s'il y en a la partie utilisateur, tout ça on peut le taper. Mais du coup, nous on n'a pas besoin directement d'y aller là-bas. Pour créer par exemple un dossier, on peut tout simplement taper mkdir. Et puis le nom du fichier selon lequel on va l'écrire directement. Comment on va l'écrire tuto. Alors, dès que c'est fait, si on regarde à nouveau, on voit directement tuto. Si on tape CD tuto, là, on peut directement être là-dedans. Là, on est à tuto. Du coup, on peut par exemple ouvrir un fichier ou bien créer un fichier. Il suffit seulement de taper Vim par exemple. Et on va tout simplement faire quoi? On va taper quoi d'autre? On va arriver directement au nom. Le nom, c'est quoi déjà? Tuto. Et là, nous pouvons voir automatiquement que on a l'accès directement de se connecter sans souci. Il suffit de taper directement I. Et là, on a le droit d'écrire. Éducation.
Voilà, parfait. Cours. Cours quoi? Administrateur. Administrateur. Réseau. Réseau et système. Système, parfait. Alors, pour enregistrer, on tape échappe. Et puis point d'exclamation, il est là. Voilà. Échappe. Point d'exclamation. WQ. Et puis vous pouvez directement valider. Du coup là, il va directement automatiquement enregistrer. Alors, si vous ne voulez pas enregistrer, vous tapez directement échappe et vous mettez par hasard, par exemple administrateur réseau et système. Du coup, vous pouvez mais aussi taper directement WQ. Et vous tapez entrée. Du coup, ça va directement entrer et là, vous n'aurez pas directement besoin de quoi qu'il en soit. Alors, là, vous pouvez directement travailler. Alors, si tout cela, on va directement y revenir et il n'y aura pas de quoi à s'inquiéter là-dedans et on va tout simplement travailler sans souci. Alors, et là, on peut dire directement que bon, il y en a d'autres choses directement, à savoir. Si vous tapez par exemple le Q, là vous enregistrez, mais il y en a d'autres choses que je voulais vous montrer avant tout. Si je retourne directement dans ma page, ça c'est ma page Facebook, cela ne doit pas vous étonner. Ça c'est la page Fanal Éducation. Je voulais tout simplement vous montrer quelque chose. Les personnes qui ne utilisent pas YouTube ou qui ne savent pas directement, il y en a énormément de vidéos YouTube dans ma propre chaîne que vous pouvez rester à la page Fanal Éducation, mais aussi aller voir automatiquement les tutos, les derniers tutos ou bien les tutos qui vous intéressent, sans pour autant vous déplacer directement à votre page YouTube, page Facebook, pardon. Il suffit seulement de cliquer ici, YouTube, et il va ouvrir YouTube automatiquement ici, sans souci. Et vous pouvez directement voir les tutos selon lesquels ça vous intéresse, ou bien vous pouvez voir les autres tutos précédents que vous n'avez pas pu les voir. Alors là, il y aura pas de quoi s'inquiéter là-dedans. Il suffit seulement que vous cliquez si le réseau est bel et bien bon. Là, il va directement se déplacer. Il n'y aura pas de quoi à s'inquiéter là-dedans. Alors, ça va tourner au moment que, bon, puisque le minute là, ça nous compte, on a 8, on va arrêter au moment que ça arrive. Je veux directement vous le montrer. Bon, pour faire simple, vous venez juste là. Au moment que vous avez cliqué ici, ça va vous ramener directement au dernier tuto qu'on a déjà fait. Et si on clique par exemple ici, le tuto peut directement, vous voyez, vous restez directement dans notre propre page Fanal Éducation, mais vous pouvez aussi voir tous les tutos qui se trouvent directement dans notre chaîne YouTube. Là, il n'y aura pas de quoi à s'inquiéter là-dedans. Entre-temps, si la personne est intéressée directement de s'abonner, cela me fera énormément plaisir. Ça se trouve ici en bas. Vous voyez, tous les tutos, ça se trouve ici. Il n'y a pas de quoi directement à s'inquiéter. Et aussi, vous pouvez cliquer automatiquement ici. Ici, là, il pouvait directement vous rediriger dans la page YouTube sans pour autant que.